Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un gâteau facile, rapide que vous pouvez faire avec vos enfants et succès garanti. On passe aux ingrédients. Pour cela, il nous faut 200 g de chocolat, 150 g de farine, un sachet de levure chimique, 125 g de sucre, un sachet de sucre vanillé, 125 g de beurre, 4 œufs et une pincée de sel. Pour commencer, je fonde le chocolat avec le beurre en micro-ondes ou au bain-marie. Là, j'ai séparé les blancs des jaunes. Je vais rajouter le sucre et le sucre vanillé. Et je vais les blanchir. Mon premier mélange, je vais rajouter le chocolat et le beurre et je vais finir par la farine et la levure chimique. Cette préparation de côté, en même temps je vais commencer à monter les blancs en neige avec une pincée de sel. À ce moment-là, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Mélangez prêt, je vais le verser dans le moule que j'ai beurré et fariné avant et je vais enfourner à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Après cuisson, je vais laisser mon gâteau tiédir un petit peu et on va passer à la déco. J'ai pris un cercle, l'idée c'est de faire un petit nid. Je vous laisse avec la vidéo. Pour la déco, moi j'ai pris 3 paquets de ces biscuits torsadés qu'on trouve partout dans les commerces, ainsi qu'un paquet de chocolat torsadé que vous allez voir après. Après la déco, ça reste libre à votre imagination, allez amusez-vous avec vos enfants. Pour remplir le nid, soit vous faites une ganache au chocolat blanc, soit vous faites comme moi pour un gain de temps. J'ai pris une crème à dessert et c'est très bon aussi avec. Voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez l'essayer avec les enfants. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour recevoir toutes mes vidéos et à la prochaine.